avez du lait dans la barbe. Pourquoi encore? Tu appelles ça une barbe, toi? Parce que Klaus est insatiable. Vous devriez la laisser pousser. Les hommes qui ont réussi portent la barbe. Ça, ramasse ta poupée. Je veux être... Entiende ahora por qué el cuervo no quería decirle lo de Uruguay. Pero igual no se siente culpable por haberlo forzado. Piensa que él debería haberse resistido. Es très riche. Alors portez une vraie barbe. Vous êtes insatiable. Et pour y être plus riche. Je peux chanter, Enrique. Non, je chante. Entiende ahora por qué el cuervo no quería decirle lo de Uruguay. Pero igual no se siente culpable por haberlo forzado. Piensa que él debería haberse resistido. Ah oui, comprenez-vous. Faites attention, ça goûte pas. Quoi d'autre serait bon pour mon bébé? Le lait. Des litres de lait frais d'une bonne nourrice trisane. Bon, si Saskia ne l'allait pas, ce sera Enrique qui s'en chargera. Rembrandt, ne soyez pas grossier. Ce n'est pas encore une femme. Et ne vous en déplaise, on en fera du fromage tellement j'aurai de lait. Ah, Saskia, ne soyez pas grossière, il y a des élèves ici. Ils sont là pour apprendre. D'ailleurs, ils nous paient pour ça. Vous ne devez pas l'allaiter vous-même. Bien sûr que si, je l'allaiterai. Yann. Tu es vieux jeu, Gertchen. De l'eau. Nous sommes au XVIIe siècle. Personne ne conteste aux femmes d'aujourd'hui le droit de fumer, écrire, correspondre avec des cartes, porter une paire de lunettes, insulter le pape et donner le sein à leur bébé. Encore faut-il qu'un homme accepte de leur payer le tabac et de les embrasser. Gertchen, ça suffit. Gertchen n'est pas vieux jeu. Elle porte des culottes sous ses jupons et des jarretières sous les genoux. Ah oui, et tout en mon livre de contes. Les hommes d'aujourd'hui ont le droit de fumer. Écrire, correspondre avec des cartes, porter une paire de lunettes, insulter le pape et donner les seins à leur bébé. Et conduire les affaires d'hommes possédant des biens. Ah, je suis de ces hommes-là. Vichard a aimé. Oh. Il a 12 hommes intéressés. Non, je refuse. Vous acceptez pour 60 fois rachetant. Non, je refuse. Surtout pour un prix pareil. Vous acceptez une passion de 720 florins. Lavant les mains jusqu'en juin, Sainte Véronique pour le mois d'août. Vous avez tant d'admirateurs dévoués. Et il faudra le temps de les tirer, ces gravures. Avec des anges dorés, il faut que je trouve un ange doré. Ah, vous serez mon modèle pour Marie-Madeleine. Vous n'êtes écrit nulle part qu'elle est enceinte. Enrique pourrait peut-être faire votre ange. Tu es enceinte, Enrique? Les anges sont des êtres purs. Ah bon, même au XVIIe siècle. Mais je suis...